Le loup marchait depuis bien longtemps quand tout à coup, il aperçut une pancarte plantée dans le sol. Maison Hansel et Gretel de ce côté! Je ferais mieux de suivre cette direction! Il avança lentement jusqu'à ce qu'il aperçoive une petite maison toit rouge. Les fenêtres étaient faites de biscuits et les murs de caramel. Sur la porte de l'église, une lettre avait été épinglée. Attention, propriétaire affamé! Affamé! Je ne savais pas qu'Hansel et Gretel étaient des ogres! L'histoire qu'on racontait et décrivait comme étant des enfants petits et inoffensifs! Calme-toi, loup. Cette lettre est peut-être là pour faire peur aux visiteurs, après tout, c'est leur métier. Oh, je n'avais pas pensé à ça! Ils peuvent être aussi gentils que dans leur conte. Sur ce, le loup cogna à la porte. Soudain, deux petits humains bondirent sur lui et l'immobilisèrent au sol. Ils l'attachèrent à un arbre, puis ils s'éloignèrent de leur prise. Tu es l'huitième que nous attrapons ce mois-ci. Alors, que viens-tu faire ici? Je suis poursuivi par deux enfants et ils veulent m'attraper, mais je ne veux pas qu'ils m'attrapent. J'ai rencontré un loup dans la forêt et il m'a dit de venir voir que vous étiez des anges de la supercherie et que vous pourriez m'aider. Vraiment? Tu ne nous veux donc aucun mal? Bien sûr que non, je veux seulement que vous m'aidez. Comment être sûr que tu dis bien la vérité? Rendez-vous à la forêt et demandez au loup. Mais gare à vous, il n'est pas aussi gentil que moi. Pendant qu'Hansel et Gretel se consultent, allons écouter le Dixieland de 5e secondaire nous interpréter It Don't Mean a Thing. Préparé par Johannes Grün, voici le Dixieland de 5e secondaire. Thank you.